On est présent ici au lac de Vassivière pour la 7e édition de la Déjantée. Ils sont 1500 au départ, ça va être énorme. Grimper, sauter, courir, plonger dans tous les sens, de la boue, en veux-tu, en voilà. Ah voilà, il n'y a plus qu'à, maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Vous êtes magnifiques, tous colorés, plein de costumes. Le site est magnifique, les obstacles, puis l'ambiance. La folie de la chose, c'est très bien. Ça fait un tour. I love you. Oh putain, on avait tout touché, toi. Puis un ananas, ça fait 3 ans qu'on vient. Ça fait la 3e fois que je suis dans la boue, mais je suis toujours aussi bien, quoi. Donc franchement, super épreuve, on est avec la famille, là, on est bien, la famille de légumes, de fruits. L'ambiance, les gens s'entraident énormément, on va pas se connaître et sur un obstacle on peut entraider les gens et ça c'est top vu dans notre société actuelle où on est, ça fait plaisir. Très bonne ambiance dans toute l'équipe et avec les autres équipes, bonne solidarité. Qu'il y ait des sportifs ou des moins sportifs, tout le monde cède. C'est vrai, hein, tout le monde attend tout le monde, quand tout le monde applaudit quand il y en a qui ont du mal à passer les obstacles, vraiment bonne ambiance, très bonne ambiance. Le fait de surpasser, déjà, d'être ensemble, de se retrouver. Ouais, de se retrouver, c'est surtout ça, ouais. Partager ça, ouais, tous ensemble. Ouais. On est chacun de l'asile des vieilles, des mantes, des ambulantes. Voilà. J'ai enlevé le masque, j'arrive pas à respirer. On est arrivé quasiment ça. On est parce qu'on est une équipe d'abord. Non, non, on arrive un peu. On a lâché personne. Non, non. Allez, super. On s'éclate. Ben, il y en a un qui a fait un plongeon et voilà, petit câlin. Je sais pas si je suis bénévole ou si je suis participant. Là, et l'odeur aussi, ça va pas du tout. On profite, ça permet de connaître du monde, et des gens sympas. Et c'est intéressant pour nous, en tant que bénévoles, de voir tous ces gens qui jouent le jeu. C'est ça qui est bien, malgré que c'est dur. Franchement, c'est encore éclaté. On en a encore chié. Ouais, c'est énorme. C'est vraiment éclaté. Le défi. On en a un peu bavé, mais non, c'était à la hauteur de nos espérances. Il n'y a pas de souci. Non, c'est à la portée de tous. Enfin, il faut être motivé, tout simplement. Et avoir envie de s'amuser.
parler de mon petit misaventure. Je suis retrouvé en plein bout avec une crampe, donc je n'arrivais pas à me lever, donc je suis resté presque 2-3 minutes couché au sol, avec un gros sourire quand même. Merci quand même. Et on a traversé la boue. On a traversé la boue. On est allé quand même dans des marécages. On est tombé dans l'air. On est tombé dans l'eau. On était pareil. Nous aussi pareil. Pareil. Fraîche. Elle est fraîche et elle pue. On a vraiment l'impression d'émerger. Le manus, non. Génial, on a du mégot. Déjanté, sauf que ma femme est en train de se noyer. Le toboggan était d'enfer, hein. Le toboggan a été génial. Super toboggan par contre. Ah ouais, le toboggan par contre, ça c'est génial. Alors, ouais, alors là. T'as perdu tes chaussures? Non, je les ai offerts à mon pote, il les a pas voulu. Ça doit faire 6-7 km qu'il est tenu. À l'aise, à l'aise. Peut-être que tu les as abandonnés aussi ou quoi? Oui. Dans la boue. Elles étaient trop lourdes. On peut recommencer! C'est trop bien! Bah, la journée s'est bien passée, on a partagé des bons moments. Ça m'a permis de faire des connaissances. Et même avoir des 06, donc c'est pas mal. Vraiment, c'est super. Bon, c'est un peu la licorne fatiguée, mais on est quand même licorne. C'est bon de regarder ce genre de défi à la télé, et c'est encore meilleur de les réaliser, franchement. Voilà, on va aller boire un verre et profiter un peu de l'ambiance, quoi. Et rentrer un soir chez nous et raconter cette aventure. On en a grave chié en fait, mais on a trop kiffé. Il y avait du soleil, l'ambiance était bonne, donc nickel. Voilà. Super journée. Allez, à plus. À l'année prochaine.